Bienvenue sur notre MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à la Cité de la Mode et du Design en compagnie de Stéphane Vial, philosophe en termes de numérique et enseignant-chercheur en design, avec qui nous allons échanger, évoquer la philosophie numérique, l'enseignement, la recherche en design, accessoirement l'entrepreneuriat en web. Et on va commencer par parler de design, puisque tu es notamment auteur d'un que sais-je extrêmement concis, extrêmement précis sur le design. Et on va supprimer quelques idées reçues. Le design n'est pas un adjectif, cette chaise n'est pas design. Oui, c'est intéressant de commencer par là, parce qu'en fait, ce mot design qui en fait ne vient pas de l'anglais, comme on le croit souvent, mais vient du latin. Dans design, en fait, il y a sign, c'est-à-dire il y a signum, il y a le signe. Et dans la notion de design, il y a l'idée de marquer d'un signe différenciant, notamment. Et donc là, on est dans l'étymologie, donc il y a une relation à la signification, en fait, dans le mot design au départ. Mais curieusement, à l'autre bout de l'échelle de l'histoire des mots, si on peut dire, c'est-à-dire aujourd'hui, le mot design est devenu une sorte de terme à la mode, qu'il est bon d'employer comme un adjectif qui peut vouloir dire tantôt beau, moderne, innovant, extravagant aussi. Enfin, il y a toute une série comme ça de connotations qui peuvent être associées et qui peuvent conduire à, voilà, à dire de quelque chose que c'est design. Le problème, c'est que c'est un terme qui a besoin d'être problématisé, contextualisé et qui recouvre un champ de pratique professionnelle et désormais un champ disciplinaire. Et donc, on ne peut plus se contenter de l'aborder sous ce seul adjectif. Enfin, en fait, on ne l'aborde pas quand on l'aborde avec l'adjectif. Mais cet adjectif ou cette mode de l'adjectif design vient peut-être témoigner d'un intérêt particulier qu'a notre époque pour ce terme et ce qui s'y rattache, puisque le design demeure quand même une création récente dans l'histoire occidentale. Hein. Ça a 100 ans, un peu plus, environ, quoi. Alors, ses origines sont latines, donc aussi italiennes, voire anglaises. Et je crois t'avoir entendu dire dans une conférence qu'il y avait eu quelques tentatives de le franciser et quelques propositions qui étaient, somme toute, assez étranges. C'est toujours cette histoire compliquée de la langue de Molière avec le reste du monde. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'un terme sonne anglo-saxon, il y a un réflexe culturel français qui est noble, hein, qui est même essentiel, mais qui parfois, sur certains sujets, peut des fois échouer. Et on va dire qu'il y a eu trois moments, je dirais. Il y a eu les années 50 avec ce que le pionnier français du design, Jacques Viennot, avait proposé sous la formule esthétique industrielle, qu'il voulait être la traduction en français de l'âme de ce qu'on appelait le industrial design, hein, le mot à mot le design industriel, mais qu'on a traduit en France pendant longtemps, grâce ou à cause, hein, laissons les uns et les autres décider, grâce ou à cause de Jacques Viennot, qui estimait que le design était une discipline d'origine européenne, même si en fait elle se trouvait propulsée par les États-Unis, et on en reparlera, les premières agences de design. Il y a eu ce moment-là qui a eu comme effet pervers de trop inscrire la notion de design dans la question du beau, de l'esthétique, ce qui peut-être a été un facteur en France de cette espèce de dérive qui fait qu'on associe toujours le design à la déco, à la décoration, au mobilier intérieur. Même si c'est une partie du design, c'est loin d'en être le cœur aujourd'hui. Après, on va dire, il y a eu le moment Jacques Toubon, il faut le citer parce que c'était son initiative, qui avait été à l'origine d'une tentative de faire remplacer le mot design par stylique. Alors là, on est encore dans cette espèce de dérive esthéticienne, au mauvais sens du terme esthéticienne, parce que c'est aussi un terme qui peut avoir un sens noble. Et là, on ne s'y retrouve plus parce qu'on confond avec... alors le designer, c'est stylicien. C'est un peu ce que voulait aussi Jacques Viennot. Il y a une parenté très proche, puisqu'il parlait de stylicien aussi, industriel par exemple. Le problème, c'est qu'entre les stylistes de la mode, on est à la Cité de la Mode, c'est bien de le souligner, et les designers, il y avait quand même des proximités, mais aussi des différences. Et puis, plus récemment, vers les années 2010, l'INSEE, dans sa classification des professions, a tenté, ça n'a pas marché non plus, de remplacer ça par concept, concepteur, concept. Parce que design en anglais se traduit aussi par conception.
problème, c'est que si on ne peut pas réserver le concept ou la conception au design, enfin, c'est, ça ne va pas. Donc, on pourrait dire que c'est finalement une histoire sans fin de tentative de franciser un terme qui s'y refuse et qui n'y parvient pas. Et la profession n'en veut pas d'un terme français à la place de design. Donc, nous voilà dans un emprunt à l'anglais qui, comme le mot « week-end hein, », va s'imposer et s'est déjà imposé. Évoquer le design et l'histoire, c'est aussi évoquer l'enseignement. Il y a un lieu qui est devenu un cas d'école, qui est le Bauhaus, avec sa particularité qui était les passages obligatoires entre, on va dire, art appliqué, et tu évoques notamment la figure de l'artiste artisan. Le Bauhaus, c'est vrai que c'est souvent considéré un peu comme l'archétype de l'école de design, c'est-à-dire on pourrait dire que c'est en quelque sorte la première école de design moderne. Parce qu'il y avait d'autres types d'écoles avant le Bauhaus. Le 19e siècle, eh bien, c'était depuis même plus longtemps que ça. D'abord, il y a la tradition de l'école des beaux-arts ou des écoles des beaux-arts, très bien. Et le 19e siècle fait émerger des écoles d'arts appliqués, comme les écoles d'arts appliqués de la ville de Paris, qui ont été parmi les premières, et beaucoup d'autres, qui se voulaient arts appliqués à l'industrie, arts décoratifs. Les formules étaient... plus ou moins synonyme ou concurrente à un certain moment. Il y a encore des écoles qui, dont leur intitulé, emploient l'expression art décoratif ou arts appliqués. Mais le Bauhaus, en 1919, à Weimar, en Allemagne, c'est un coup de force de Gropius, Walter Gropius, qui fusionne l'école des beaux-arts et l'école des arts appliqués en un seul établissement. Du coup, ça crée une culture créative complètement différente dans l'école parce que c'est plus le combat d'une culture contre une autre, peut-être, ou c'est plus l'idée des arts majeurs et des arts mineurs, comme on avait parfois tendance aussi à le penser. Effectivement, c'est art et artisanat et industrie et technologie et science, cette espèce de vision assez large et interdisciplinaire de la culture créative qui s'installe. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'au Bauhaus, le programme pédagogique est principalement centré sur... des enseignements qui relèvent plus des arts plastiques, des cours d'ateliers de peinture, ateliers de sculpture, etc. D'architecture aussi, bien sûr, Gropius était architecte. Voilà, donc ce qui a laissé, disons, une empreinte, c'est qu'évidemment, c'est devenu un modèle pour penser la pédagogie en design, parce qu'il y avait l'interdisciplinarité. L'idéal du Bauhaus, c'était art, technique et science. Il y avait ça. Deux, il y avait une visée humaniste dans le Bauhaus. Il y avait l'idée de forger un homme nouveau avec cette école. C'était pas juste... entre guillemets, forger des compétences pour l'industrie, pas du tout. Il y avait un idéal de forger de nouveaux caractères. Et puis, c'est eux qui ont été évidemment innovants dans la pédagogie. Par exemple, l'enseignement en atelier que le Bauhaus n'a pas inventé, qui se pratiquait dans les écoles d'arts appliqués, par exemple. Mais l'enseignement en atelier a pris, disons, une tournure un peu différente. L'enseignement se faisait en binôme, avec un maître des formes, et un maître d'atelier, un profil plus esthétique, un profil plus technique, par exemple. Donc tout ça a laissé des empreintes très fortes. On parle aujourd'hui de la tradition du Bauhaus, parce que le Bauhaus a été interdit par les nazis en 1933, l'école a fermé, mais elle a recommencé, elle est renée de ses cendres, en quelque sorte, ou elle est née à nouveau de ses cendres, puisqu'il y a eu l'expérience, toujours en Allemagne, de l'école d'Ulm, qui a été un moment fort aussi, qui a initié, qui a stimulé le développement de la recherche en design. Et puis, il y a eu à Chicago le New Bauhaus de Moulinage. Voilà, donc ça a vraiment marqué. Si on reste sur la question de l'enseignement, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à l'international, il y a de très nombreux pays où on enseigne l'art et le design à l'université. On a en France une spécificité qui est d'enseigner l'art et le design dans des écoles qui sont dédiées. Et comme tu le remarquais, souvent d'ailleurs, il y a des écoles qui sont dites d'art, d'autres de design, mais on remarque quand même que depuis quelques années, aux Arts Déco, on pratique l'art. À l'ENSI, on est très proche des pratiques artistiques aussi. Il y a une porosité entre art et design, ou on va dire art et art appliqué en France aujourd'hui, qui est peut-être beaucoup plus importante qu'il y a 20 ans. Et c'est tant mieux, parce que finalement, le Bauhaus l'a fait en 1919, ça ne veut pas dire que les deux cultures ont fusionné dans le monde entier. La preuve, tu le dis très bien, les deux cultures perdurent dans des établissements qui eux-mêmes se définissent de manière différente. Mais effectivement, même si l'établissement ne fusionne pas, on voit bien que les mentalités, les pratiques, elles deviennent extrêmement poreuses.
quelle école d'art et design du ministère de la Culture en France aujourd'hui n'a pas une branche design? Souvent graphisme, mais pas seulement. Donc les écoles d'art intègrent le design. Dans les écoles de design, évidemment, par la force de l'histoire, il y a une sensibilité artistique, plus ou moins forte d'ailleurs selon les écoles. Tu citais l'ENSI, mais les arts déco sont quand même très marqués par des formations aussi en art. Peut-être plus que l'ENSI d'ailleurs, mais ça, laissons-leur le soin de définir ce qui leur revient. Mais ces deux cultures, en tout cas, elles gagnent à se compléter, elles gagnent à se nourrir. Et je crois que c'est ce qui se passe effectivement dans les établissements.